Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, t'es la bienvenue de t'abonner dans la chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler bien sûr de la peau. Oh my god! Pour mes anciennes abonnées, vous-même, vous savez que je venais d'accoucher. Alors moi, avoir une peau parfaite, avoir vraiment, c'est mon rêve. Donc je fais toujours beaucoup des vidéos sur ce qui concerne la peau, comment est-ce que vous pouvez garder votre peau pendant. Mais malheureusement, on doit essayer beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes jusqu'à ce qu'on va voir ce qui marche très bien pour nous. Cette vidéo, bien évidemment, nous allons parler des cernes. On va parler de ça ici, là, like under eye. Parce que, bien évidemment, dans toutes les vidéos make-up, vous-même, vous regardez comment est-ce que nous, les make-up gourous, on vous dit, il faut toujours mettre le cache-cerne, il faut toujours mettre votre concealer, des cernes. Pourquoi est-ce que vous vous êtes déjà demandé la question? Parce que, bien évidemment, tout le monde a des cernes. We all have this. Si vous levez vos yeux comme ça, vous allez voir qu'il y a, c'est pas la même chose qu'ici. J'ai toujours utilisé les patchs. Je vous montre, c'est comme ça, c'est qu'on a, on met ici en dessous des yeux et puis vous dormez avec ça ou vous passez quelques heures après vous enlevez. Et moi ça marche pas, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de cernes. Sauf j'ai découvert une technique, méthode et tout ça que je vais partager avec vous, comme ça vous aussi vous allez voir si vous avez des problèmes des cernes. Voilà, j'ai utilisé ça quelques fois et puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer. En tant que fille, nous avons vraiment beaucoup de choses. Nous, on doit toujours faire des innovations, essayer ce qui marche jusqu'à ce que la peau va s'habituer, jusqu'à ce qu'on aura l'habitude et puis ça va s'adapter avec nous. Pour les anglophones, I was just saying, today we'll be using a different technique on how to get rid of wrinkles under eyes. Oh my god, it's so bad, so annoying. I always use this, but I find out a new technique that I have been trying for the last few days and we will try that here. So without further ado, let's do this. Pour cette vidéo, nous allons parler d'un produit qui n'est pas assez cher. Nous tous, nous l'avons à la maison, soit si vous avez déjà vu les titres. Nous allons parler du dentifrice. Yes, dentifrice toothpaste. Si vous n'êtes pas astuce, si vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, la grand-mère comme moi, un peu africaine, un peu, you know, en train de vouloir savoir, de les patchs, vous pouvez utiliser ça. Mais si vous n'avez pas de résultat, si votre peau s'est habituée avec ça et puis vous voulez changer, vous êtes dit, ok, let me try this other technique. Nous allons utiliser la pâte à dentifrice, la pâte dentifrice. C'est trois différents dentifrices. Pourquoi je vais vous parler? Pour ça, franchement, vous n'aurez que besoin de Colgate. Voilà la marque Colgate. Je vous dis pourquoi. J'ai un, voilà ce que ça, mon dentiste m'a donné. C'est quelle couleur, vous-même, vous voyez ça à couleur bleue. Donc, vous ne voulez pas de couleur, mes chéris. N'utilisez pas les dentifrices qui ont de couleur ou soit des dentifrices trop forts. Alors, n'utilisez pas les dentifrices médicales, je ne sais pas moi. Là, utilisez la marque Colgate, comme vous voyez là. Cette pâte dentifrice coûte absolument moins cher. Ça coûte par exemple 2 livres en Angleterre, peut-être en France 3. Vous pouvez l'essayer. Je vais vous faire voir comment est-ce que moi j'utilise ça pour. Parce que vous aurez besoin juste de la pâte dentifrice, de l'eau toi-même et puis you're good to go. Et donc ça peut prendre juste 5 minutes. C'est pas assez compliqué. Pendant ce que tu es en train de brosser tes dents, tu te dis ok, je vais faire ça, tu fais ça vite fait. Et traitement, nous allons lutter contre l'apparition des cernes, de poches ici, comme ça là. Warning. Warning, ça veut dire attention. Il ne faut pas le faire entrer dans vos yeux, à vos yeux. Mais il faut vraiment faire attention que ça ne puisse pas entrer dans les yeux. Juste ici, juste là, là où vous avez des cernes et c'est bon. Lorsque vous l'appliquez, il ne faut pas mettre beaucoup tout de suite, donc un peu comme ça. Pour ne plus avoir les temps ternes et éliminer les cernes, mouillez un peu des dentifrices et passez sur la zone à traiter ou tout simplement sur l'ensemble du visage. Et vous allez laisser poser moins de 5 minutes et puis vous allez rincer avec de l'eau tiède. Je vous rappelle, il faut éviter que ça puisse entrer dans les yeux, sinon ça va vous piquer.
La raison pour laquelle on a des cernes ou soit de poche qui commencent à apparaître, voilà. Je sais qu'on n'aime pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise circulation sanguine au niveau des yeux. Donc tout simplement, la dentifrice va nous aider parce qu'elle contient ce qu'on appelle les menthols et elle est aussi très efficace pour traiter les cernes, raison pour laquelle on utilise ça. Vous pouvez rechercher ça et puis il y a beaucoup de gens qui ont utilisé et ils ont eu un résultat super. Après le traitement, vous allez voir que votre under eye, ça va devenir vraiment lisse, vraiment bien. Donc c'est tout vraiment pour cette astuce, les filles. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez déjà essayé aussi et puis les résultats, juste faut les mettre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les filles. En tout cas, je vous en supplie, si tu as regardé la vidéo et que tu es arrivé jusqu'ici. Là, si ce n'est pas encore fait, ici, on aime la vidéo. Avant qu'on puisse la regarder, aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez, laissez le commentaire. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye bye!